aujourd'hui, nous allons faire un TP sur les composants d'un ordinateur. Et là, le but du jeu, c'est d'utiliser le logiciel LibreOffice Dessin pour construire cette image. Il nous faut les photos des différents périphériques. Ensuite, utiliser le logiciel pour pouvoir les positionner et ajouter les étiquettes qu'il faut. Donc pour ce faire, on ouvre le logiciel LibreOffice Dessin. Et dans la barre des menus, dans la page, nous allons modifier les propriétés de la page. En mettant la feuille, en changeant l'orientation de la feuille pour qu'elle passe du mode portrait au mode paysage. Ensuite, nous allons chercher les différentes images dans la photothèque. Prenons la carte mère, cliquant droit, copier l'image. Et on centre l'image au milieu. On réduit la taille de l'image, on la centre. Ensuite, on va mettre un cadre autour. Donc on utilise l'outil rectangle, on met le cadre et on enlève le remplissage. Donc là, il y a une couleur de remplissage. On enlève la couleur pour mettre aucune couleur. Et on peut mettre le cadre en noir. Voilà. Donc là, c'est la carte mère. Je regarde mon modèle. Donc ici, je vais mettre une étiquette carte mère. Rajouter la carte graphique, l'écran, souris et clavier. Je repars dans les différents éléments. Copier carte graphique. Écran, souris, clavier. Ensuite, nous allons choisir l'ancienne. Ensuite, on va voir. On va copier. Maintenant, il faut les connecter. Donc, on a le choix de les connecter directement sur l'étiquette ou sur l'image. Donc, on va utiliser l'outil connecteur. Le connecteur qui est là.
peut finir par mettre tous les traits en noir et augmenter la largeur de chaque connecteur et chaque ligne. Voilà, apparemment nous avons relié différents éléments par l'outil connecteur. Après, il suffit juste d'enregistrer notre document en lui donnant un nom correct.